à l'image de Corinne. Donc je pense que chacun des interlocuteurs, effectivement, ont bien représenté ce qu'était Corinne, à la fois au niveau national, à la fois pour le Trégor, et puis pour chacun d'entre nous. Hein. Je pense que moi, en tant qu'ancien maire de Lannion, j'ai travaillé longtemps avec Corinne, c'était elle, c'était une grande travailleuse, et je pense que d'ailleurs, elle a beaucoup travaillé, elle a peut-être trop travaillé. Donc, mais en tout cas, je pense que c'était des discours qui étaient prégnants, et M. Macron a fait son discours a cappella, et c'était un beau discours. C'était là, son engagement total, sa disponibilité, son humanisme, je crois que c'est. Donc c'est des propos qu'il a représentés entièrement. Le reflet de sa vie, de son parcours. Et de son tempérament. Et de son tempérament. Ouais. Quelqu'un qui lâche rien. Sa bonne humeur, son sourire, ouais. Qui ont été relevés souvent, et puis sa façon de crocher dans les dossiers, de rien lâcher. Quand elle avait un os à ronger, elle ne lâchait pas, et puis elle se battait sur tous les dossiers. Et bon, apparemment, elle était très très bien perçue par l'ensemble de l'Assemblée nationale et de tous les parlementaires. Elle est arrivée au Parlement toute timide, et puis très très vite, elle a su s'imposer.